En septembre 2020, Jean-François Piège a passé le cap fatidique des 50 ans. L'ancien juré de Top Chef a été savamment gâté pour l'occasion. Notamment par sa femme Élodie, cette dernière connaît la passion de son mari pour le vin et elle s'est chargée de ravir ses papilles en lui offrant un lot de grands crus. Élodie m'a fait la surprise d'appeler certains vignerons pour l'occasion. J'ai donc reçu 5 bouteilles, un Richebourg de Romané Conti 1970, un Petrus 1973, un Magnum de Saône 1970, un Jean-Louis Chave 1970 et un Dom Pérignon page 2 2000. Je n'ai pas encore tout ouvert, a-t-il dévoilé au magazine Racine à qui il a donné une longue interview. Un cadeau qui a dû coûter plusieurs milliers d'euros à la femme de Jean-François Piège. Ce dernier admet d'ailleurs qu'il aimerait bien avoir une cuvée à son nom. J'adorerais, mon ego surtout, voir mon nom sur une bouteille. Mais ce n'est pas mon ego qui mène ma carrière ni ma vie, je n'ai pas ce savoir-faire, explique-t-il. Jean-François Piège est indécis face à la cuvée 2020. Même si 2020 est l'année où Jean-François Piège est devenu papa d'une petite fille, le célèbre chef admet qu'il pensait au départ déconseiller cette cuvée aux clients de ses nombreux restaurants. Effectivement, ma première réaction a été de bannir cette année. Sauf que le 15 juin, j'ai eu une petite fille, Pia, note de la rédaction, et je me suis dit qu'elle ne pourrait pas vivre avec. Les mots de son père répétant que 2020 était une année pourrie, c'est une année particulière pour la restauration, mais c'est une très belle année du point de vue personnel. Et d'après ce que j'ai entendu, c'est une très belle année pour le vin. Mon fils, Antoine, note de la rédaction, est né en 2015. Qui est aussi une année magnifique, a-t-il raconté. Jean-François Piège est en effet devenu papa pour la deuxième fois. 5 ans après la naissance de son fils Antoine, sa femme Élodie Tavares Piège a accouché d'une petite fille le 15 juin 2020, le jour où Johnny Hallyday aurait fêté ses 77 ans. Après la tempête, le rayon de soleil. Notre bonheur est immense, avait écrit le chef en légende d'une photo en noir et blanc des adorables petits pieds de son bébé. À voir aussi, Mujeda, cette publication qui intrigue. À lire aussi Adblock Test.